Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus ici pour ce deuxième jour de cette quatrième édition du MTB, le bien nommé Make Love Terre de Blues. Alors, je vais vous poser une petite question, comme ça on va toucher un peu à la vie privée de tout un chacun. Est-ce que, par exemple, madame, je vous vois juste là dans le champ. Oui, vous, madame, elle se cache derrière le monsieur. Retournez. Ah, elle est partie. Madame, je vous pose une question, s'il vous plaît. Alors, elle ne veut pas que je lui pose une question. Eh bien, je vais vous la poser à toutes et à tous, cette question. Est-ce que vous avez adoré, par exemple, à 17h quelque chose, à 17h01, vous le détestez, et à 17h15, vous l'aimez à nouveau, et à 17h20, vous le détestez à nouveau? Eh ben, mon mari, non, c'est pas ça. Non, non. Eh ben, ça fait absolument à peu près 10 jours qu'on consulte tous les organisateurs notre météo. Bien sûr, la veille, l'avant-veille aussi, et le jour J aussi. Alors, depuis ce matin, j'adore la météo. Et tout d'un coup, je déteste ma météo. Et tout d'un coup, je l'adore à nouveau. Et là, je suis en passe de l'adorer à nouveau parce que ce satané nuage, pour rester poli, va passer. Et puis je me dis aussi que l'un des plus grands festivals que les anciens connaîtront, Woodstock, s'est quand même fait sous une pluie battante pendant 2 jours, non? Alors nous, on va éviter ça. On va compter sur votre bonne humeur, votre joie de vivre, votre gaieté. Au nom de l'organisation, je remercie toutes les personnes qui sont déjà là. Je fais un petit clin d'œil à nos bénévoles. Je vous parlerai des stands tout à l'heure. Et là, on va démarrer cette deuxième journée. Alors, je vais vous demander pour une histoire de proximité avec les musiciens, pour une histoire de chaleur, etc. Je vais vous demander de vous rapprocher un max parce que les jeunes hommes, je dis jeunes hommes parce qu'ils ont l'âge de mon fils, donc les jeunes hommes qui sont là, qui viennent tout droit de Bordeaux, ils avaient avant jamais mis un pied à Metz, encore moins un pied à Mecklev. Vous imaginez pas la joie qu'ils ont d'être avec nous aujourd'hui. Lucky Pepper et son band, guitare, chant, harmonica, batterie, ces Bordelais vont partager avec nous ici leur blues inspiré, m'a-t-on dit, des fantômes du Mississippi. Je vous demande de leur réserver le meilleur des accueils. Rapprochez-vous, venez avec nous. Plus il y aura de chaleur humaine, mieux ce sera. Mesdames et messieurs, sous une tonnerre d'applaudissements, Lucky Pepper. Dans les dossiers du bureau central se trouve une histoire si étrange qu'elle ne peut pas être classée. L'heure, 19h19. Un objet volant non identifié est repéré à 320 km au nord du point Barrow en Alaska. Direction sud-sud-ouest, 170 degrés. Vitesse estimée, 8000 km/h. Point d'impact, moins 10 secondes. 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ceci est le début. I was playing with a band, very bubble home. Highway to come. Without a woman, say, get away, that's over me. I pull quicker down from 1, 2, 3. Sorry, mama, I'm not a jukebox. Sorry, mama, I'm not a jukebox. Don't you know? Private wedding.
conversating. Without a message, hit a bit of over me. I'm awake and down, a 1, 2, 3. Sorry, man, I'm on a jukebox. I'm on a jukebox. Bonsoir à tous. Ok, donc comme on vous l'a dit, je suis Lucky Pepper. Julien à la basse, s'il vous plaît. Rémi à la batterie.